Je suis allé au marché, j'avais besoin de trucs. Quand je suis arrivé, il y avait des pancartes. Je les ai lues. Je comprenais rien. Alors j'ai demandé au marchand, je l'ai regardé, il m'a regardé. Je l'ai regardé, il m'a regardé. Je l'ai gardé, il m'a regardé. Il m'a dit. Bref, je comprenais rien. Je suis parti. Ok oui, chers abonnés, aujourd'hui on aborde le sujet de la vente 100% automatique des guichets automatisés dans Minecraft. C'est parti! Comme dans la plupart des jeux, Minecraft, à la seconde où vous commencez à jouer en multijoueur, vous comprenez que ça ouvre une nouvelle dimension absolument fantastique. Donc, vous obtenez plein de choses, dont le troc, parce que Minecraft est un jeu de ressources, et donc, échanger entre plusieurs joueurs, c'est tout à fait passionnant, tout le monde en ressort gagnant, puis c'est super intéressant. Le problème, c'est que si vous jouez sur un serveur où il y a plein de francophones de partout dans le monde, donc par exemple Québec-France, vous allez avoir 6 heures de décalage, et donc, ça se peut que si vous vouliez échanger avec votre cousin du Québec, eh bien que ça fonctionne pas, parce qu'il est tout simplement pas présent lorsque vous jouez. C'est pour ça que la plupart des gens ont résolu ce problème-là en faisant des magasins, avec tout simplement des pancartes, avec des coffres. Ça fonctionne bien, vous faites de l'échange comme ça. Mais c'est pas... on est des redstoneurs, hein? Fait qu'on va aborder le problème, on va essayer de rendre votre magasin un petit peu plus intéressant, de le rendre, d'ajouter une petite touche de magie de la redstone, on va essayer de se faire un magasin 100% automatique. Donc j'ai fait mon premier design, parce que c'était important pour moi de vraiment régler ce problème-là. Et après ça, j'ai été voir sur Internet. Et sur Internet, il y avait juste deux types de design. Le premier type ne convenait pas du tout. C'est une machine qui faisait du genre 5 diamants pour 20 blocs de redstone, marchait parfaitement. Mais si vous vouliez changer le prix, comme par exemple, il y a les blocs, la redstone devient tout à coup vraiment, vraiment abondante, fait que personne ne veut plus jamais acheter avec 5 diamants, donc vous voulez baisser votre prix pour 4 diamants, ben c'était pas faisable. Il fallait que vous reconstruisiez complètement une nouvelle machine. C'était où vous... ajouter des délais de répéteurs un peu partout, donc je voulais quelque chose qui était beaucoup plus simple à faire. Et là, je suis tombé sur l'invention de CubeHamster AGL-276, je pense, je me rappelle jamais du numéro. Vous savez de quel AGL je parle. C'est deux éminents dans la communauté anglophone, deux éminents redstoneurs. Et juste ici, ils ont fait cette machine-là. Ça fonctionne super bien, je vais vous montrer comment ça marche, parce que je les respecte beaucoup leur travail. Ce qu'il faut faire, c'est tout simple, vous mettez trois diamants à l'intérieur, une, deux, trois. Et là, la machine s'éclaire, donc il ne faut plus y toucher, ça fonctionne, et à la seconde où la lumière se ferme, et voilà, on vient d'avoir nos deux émeraudes. Et en plus, pour le customiser, c'est simple. C'est juste deux coffres ou trois. En fait, c'est quatre coffres qu'il faut changer leur contenu selon une petite formule qu'ils ont faite. C'est quand même très simple. Et le problème, pourquoi vous voyez pas ça? Parce que c'est sorti il y a quand même 6 mois, au moins. Pourquoi vous voyez pas ça dans les serveurs? C'est parce que c'est immense. C'est tout simplement gigantesque. Donc, pour moi, c'était un des critères qui me convenait pas. Oui, ça respectait tous les autres critères que j'avais. Donc, c'est customisable, ça fonctionne super bien, ça va vite. C'est customisable autant vers le haut que vers le bas. Mais c'est immense. C'est tout simplement gigantesque. Donc, j'ai décidé d'essayer de le compacter. Mais le problème, c'est que CubeHamster est vraiment quelqu'un d'incroyable pour compacter des systèmes bien meilleurs que je le suis. Donc, comment ça se fait que je vous présenterai pas une vidéo si j'avais pas réussi? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que, moi, ma force, c'est vraiment de repenser complètement au système et d'y trouver une nouvelle façon. Une nouvelle façon de faire la logique du système. Ce qui fait que c'est plus vraiment une question de compactage, c'est comme j'ai repensé au complet le système, sa fonctionnement. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser juste ici le poids, j'utilise le temps. Et donc, ça m'a permis de vous faire ce design-là. Donc on va tout de suite aller voir comment il fonctionne, je vous présente le vendeur automatique, ou le marchand automatique comme vous voulez. On va tout de suite aller voir plein de situations dans lesquelles ma système fonctionne et à quel point, malgré qu'il soit assez compact, donc juste ici pour remarquer que c'est juste 3 de large alors que lui c'est 4 de large, et en plus... juste à l'œil comme ça, vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup moins de redstone, mais c'est très très compact. C'est très compacté, c'est difficile de voir ce qui se passe là-dedans, donc je vais vous montrer ça plus tard. Mais d'abord, passons aux exemples. Donc commençons par l'interface. L'interface, c'est un petit peu plus simple. Juste ici, on a notre « je vends 20 » pour 3 diamants. Super. « Je vends 20 potions d'expérience pour 3 diamants », c'est une version plus simple à lire. Juste ici, on a notre « Ender Chest » parce que
ça permet aux gens d'acheter plus facilement. Ils ont accès déjà à l'Ender Chest. C'est pas nécessaire, mais j'aime bien cette affaire-là. Plus ça fait des particules, fait que c'est cool. On a deux coffres. On a notre recevez vos items ici. Donc, expérience. Donc, juste ici, c'est là qu'on reçoit nos items. Je vais les enlever parce que j'ai déjà fait des tests. Mettons que je les ai jamais achetés. Et juste ici, payer ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. On met nos 3 diamants. 1, 2, 3, comme je viens de faire. Et après ça, instantanément, vous allez recevoir vos 20 items. Génial! Donc, la machine fonctionne dans des conditions parfaites. Mais nous, on veut les pires conditions. Donc, bang, on a eu nos 20. La machine se reset. Vous allez l'entendre par un petit bruit de piston assez caricatif. Et voilà, la machine est reset. Elle est prête à fonctionner. Bon, premièrement, vous avez remarqué que dans l'autre système, il y avait une petite lumière. Donc, quand la lumière était activée, il ne fallait pas toucher la machine, sinon vous perdiez votre argent. Bon, moi, qu'est-ce qui se passe si je mets le double? Donc, je veux faire deux fois, je veux avoir 40 potions d'expérience, et donc, je dois mettre 6 diamants. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ma machine va gober les sous sans les compter? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, je mets mes 3. Vous voyez que j'ai rien fait. Ça a bloqué à 3. Ça va nous donner nos 20 items. Donc là, présentement, on ne peut pas interagir avec la machine, on ne fait rien. Et là, à la seconde où la machine va savoir reset, c'est-à-dire dans quelques secondes, elle va se remettre à calculer. Donc ici, on a eu nos 20 potions d'expérience, youpi. Et juste ici, la machine va tout simplement recommencer à compter. Elle va se reverrouiller. Donc ici, vous pouvez voir que peu importe ce que je fais, ça fait rien. Et on va avoir encore nos 40 potions d'expérience. Donc vous pouvez voir que même on n'a pas besoin de lumière, c'est tout simplement ça ne lagra pas. Aussi, qu'est-ce qui se passe si on met un item à l'intérieur qui n'est pas voulu, donc c'est pas un diamant? La machine ne va juste rien faire. Puis vous pouvez même, si vous voulez, vous pouvez commencer à calculer et faire votre achat juste ici. Vous allez voir que maintenant que c'est bloqué, ça fonctionnera juste jamais nos potions d'expérience. Donc ça c'est super, on peut voir que ça fonctionne très bien, on n'a même pas besoin de lumière d'indicateur, notre machine fait ça tout seul. Maintenant on va essayer de pousser la machine au bout. Donc on va voir si ça fonctionne avec des gros montants en bas. Donc je vends une pioche de diamant pour 100 de blé. Ça tombe bien, j'ai déjà mes 100 de blé et on va prendre un 101 juste ici pour voir si la machine fonctionne toujours aussi bien. On va mettre nos 100 de blé juste ici et la machine va commencer à l'absorber. Et vous pouvez voir que juste ici, j'ai comme, malgré le petit bruit de torche qui peut paraître inquiétant, croyez-moi, ça fonctionne super bien. Et juste ici, j'ai mon wait, comme ceci, qui va être prêt à fonctionner à merveille. Donc on va tout simplement attendre quelques secondes, je vais tout simplement passer le temps. Et voilà, c'est arrêté et comme vous le voyez, notre blé n'est pas passé. On a notre pioche, génial, et si on veut recommencer le lot, on va tout simplement entendre un bruit de piston, et boum, on va pouvoir recommencer. Donc notre machine est barrée jusqu'à temps qu'elle soit parfaitement reset, ce qui est fantastique. Donc on peut voir qu'on peut vraiment mettre d'énormes montants en bas. Bon, est-ce qu'on peut mettre d'énormes montants en haut? Pour très peu en bas, donc on va essayer. Et maintenant on va en mettre, je sais pas, on pourrait mettre, ah, notre machine de bord c'est reset, génial. On va en mettre 3, juste pour voir si ça lag, et voilà, parfait, 2. Et maintenant, ça va commencer ici. Et est-ce que notre machine n'a toujours pas pris ça? Ça lag pas. Et on va avoir nos 60 fleurs. On va attendre quelques secondes. Et voilà, vous pouvez voir que la machine, on a eu nos 60 fleurs. On est heureux. Et maintenant, notre machine va se reset. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je laisse mon truc d'or juste ici? Eh bien, ce qui est bien, c'est que ça ne sera pas gaspillé. La machine va juste l'enregistrer dans sa mémoire et va considérer que vous avez déjà commencé à payer la transaction. Donc, si vous laissez des pièces ici, bien, ça fait juste tant mieux pour les gens plus tard qui vont en avoir à disposer. Donc, comme c'est des... Et voilà, ça a déjà commencé. Super, donc vous avez juste à en rajouter un maintenant et notre machine va repartir. Comme vous voyez ici, c'est complètement bloqué et on va avoir encore 60 fleurs qui vont partir. Bon, juste ici, on a un deal qui est tout à fait intéressant. Donc, je vends un Ender Pearl pour une diamant. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est que ça fonctionne aussi avec des Ender Pearl qui se stackent en paquet de 16 et non pas en 64. Ça, c'est génial. Et aussi, si vous voulez tester une machine comme j'ai fait là, vous mettez un ratio 1 pour 1. Parce que vraiment, là, ça va demander un stress immense à la machine. Pourquoi? Ben, c'est, vous allez voir plus tard comment c'est construit. Mais maintenant, on va en mettre 5 à l'intérieur. On peut voir que notre machine va avoir un stress intense, va se resetter, va en prendre un autre, va se resetter, va en prendre un autre, va se resetter. Wow, il y a un stress immense qui se passe dans la machine. C'est fabuleux. Et bang, on a finalement nos 5 Ender Pearl et nos 5 diamants sont partis. Donc ça, encore une fois, c'est génial. Et voilà, on a montré que ça fonctionnait autant avec des Ender Pearl qu'avec, juste ici, des diamants.
Maintenant, je le ferai pas, mais je vends 576 blocs de redstone pour 320. C'est la limite que la machine peut supporter en termes de quantité d'items. Donc 576 blocs juste ici, c'est-à-dire 9 stacks de 64 pour 5 stacks de quelque chose. Mais comme vous pouvez faire des échanges à l'infini, bref, si vous faites 15 fois cet échange-là, vous pouvez faire avec une petite machine comme ça des échanges massifs de 10 000 items, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est augmenter votre réservoir là-bas, comme je vais vous montrer. Bon, je vous ai dit que c'était facile à customiser, on va le voir maintenant. Donc présentement, je vends 20 bouteilles d'expérience pour 4 diamants. Donc, si je veux changer le prix, donc à la place, maintenant, ce que je veux, c'est, je vends 10 bouteilles pour 3 diamants. Donc, maintenant que je vends 10 bouteilles pour 3 diamants, ce qu'il faut que j'aille changer, c'est simple. Premièrement, je vais aller changer mes 10 bouteilles. Donc au départ, c'était 20, maintenant c'est 10. On va regarder à l'intérieur. Ici, il y a 20 redstone ou n'importe quel bloc. On en met 10 et voilà, c'est fait. Et maintenant, si je veux me vendre au lieu de 4, c'est juste ici, c'est 3. Donc je vais aller dans mon hopper juste ici. Au lieu d'être 4, je vais en mettre 3. Et voilà, votre système est maintenant fait. Donc, je suis vraiment fier. Donc, maintenant, lorsque vous allez mettre 3, après 3, ça va stopper, contrairement à 4. Et après ça, vous allez avoir vos 10. Donc, ici, il y en avait déjà 20. Et maintenant, on est rendu à 30. Ça fait 10. Et ça marche donc à la perfection. Si vous voulez changer à 100% le mécanisme, donc, mettons que vous partez avec quelque chose de totalement vierge. Ce que vous voulez changer, c'est des arbustes contre des crafting tables. Oui, oui, ça se peut. Donc, juste ici, on a nos crafting tables. Ici, on a nos arbustes. On veut mettre, je sais pas moi, 31 arbustes pour 12 crafting tables. Donc, premièrement, vous voulez vous assurer que ça filtre uniquement des crafting tables. Vous allez ici, vous remplacez votre diamant, vous mettez votre crafting table, et voilà, c'est fait. Maintenant, vous avez vous voulez maintenant 31 arbustes. Donc, vous allez à la place de 10 mettre 31 de n'importe quel bloc. Donc, juste ici, j'utilise de la redstone. Et voilà, 31. Vous voulez maintenant remplir votre stock de d'arbustes, parce que c'est ça que vous vendez. Comme ceci. Vous avez maintenant vos arbustes, comme ceci. Et dernière chose, vous voulez ajuster pour que ça soit 12 tables de craft. Donc vous allez juste ici et vous mettez maintenant de n'importe quel bloc. Ici j'utilise des blocs de quartz, vous en mettez 12. Et voilà, vous avez maintenant réinventé complètement votre système. Donc maintenant il va fonctionner parfaitement. Il va fonctionner par table de craft. Vous allez voir, mettons que j'en mets 16. Ça va arrêter, il va en rester juste 4. Et maintenant ça stop, c'est des crafting tables. Vous pouvez voir que nos diamants ne sont plus acceptés. Et maintenant, ce que ça va me donner, c'est 31 arbustes exactement. On va lever nos diamants. Pas besoin de ça. Et voilà. Et ça fonctionne à la perfection, et bien entendu, notre end of chess. Donc, vous pouvez voir que ça se custom extrêmement rapidement. Mais maintenant, on va vraiment aller voir comment ça fonctionne. On va aller voir le schéma. Donc, voilà, notre système vient de se résoudre. Donc, c'est un petit peu bizarre à faire ça. Donc, je vais utiliser une technique que j'utilise souvent, le schéma. Juste une petite chose avant. Juste ici, j'ai le réservoir des items que je vends. Mais juste en dessous, j'ai oublié de le préciser, voici le réservoir des choses que j'achète. Donc, tout simplement, ça se situe dans le coffre. Et si vous voulez plus d'espace, vous rajoutez des coffres. Et si ici, ça ne vous convient pas comme espace, vous pouvez en tout temps rajouter d'autres peurs, d'autres coffres à l'infini comme ça, et ça brisera absolument pas la machine. Voilà, c'était une petite parenthèse. La magie de mon système, c'est qu'il fonctionne avec le temps. Juste ici, on a le système de GL et Cube Hamster. Donc juste ici, on a notre supérieur, comme ça, leur système qui fonctionne avec le poids. Donc, juste ici, vous voyez que la redstone lamp n'est pas allumée, alors que lorsque je rajoute un diamant, boum, notre redstone lamp s'allume. C'est une façon intéressante de faire ça, de détecter qu'il y a le bon nombre d'items qu'on a donné. Donc ici, le chiffre que j'avais programmé, c'était un diamant pour le deal. Mais alors que le mien, comment il fonctionne, c'est avec le temps. Donc, si j'ai 5 redstone à l'intérieur de ça, et que je pèse, et qu'il y a 5 items qui tombent dans mon système, 1, 2, 3, 4, 5, notre lampe va s'allumer parce que le système est rendu vide.
Donc, plus précisément, comment ça fonctionne? Si vous avez vu le principe de base, comment ça fonctionne. Mais maintenant, on va voir le schéma qui explique vraiment comment tout fonctionne, tout le système comprenne, comment tout le système fonctionne, et vous allez comprendre pourquoi je trouve ça compact. Notre aventure commence ici. On dépose nos diamants. Premièrement, le système va absorber les diamants et va rentrer dans notre plateau orange, qui est le filtreur. Le filtreur a une mémoire. Hein. Tout ce que j'ai... Ça, c'est mon code. Ça veut dire qu'il y a une mémoire. La mémoire va se rappeler que c'est juste les diamants qu'il accepte. Donc, c'est des diamants, il fait OK. Et quand le filtreur détecte un diamant, il envoie une courte pulsation dans juste ici, notre partie verte. Notre partie verte, elle, va utiliser sa mémoire pour se rappeler qu'il faut qu'elle compte jusqu'à 5. C'est un compteur. Donc, premier diamant, deuxième diamant, troisième diamant, quatrième diamant, cinquième diamant. Notre système a réalisé que c'était 5 diamants qui est arrivé, et comme il a compté jusqu'à 5, il va donc envoyer une pulsation de redstone. Cette pulsation de redstone-là va envoyer à deux endroits différents, dans le circuit mauve et dans notre immense circuit rouge. Premièrement, on va suivre notre parcours jusque dans le circuit rouge. Le circuit rouge, c'est le circuit du stop. C'est-à-dire qu'à la seconde où notre circuit rouge va être ouvert, notre circuit va stopper, et on ne pourra plus faire d'échange, parce que la machine est en train de faire fonctionner toutes ces choses. Donc, basiquement, notre système ne va plus pouvoir être utilisé. C'est pour ça que nos diamants arrêtent toujours au nombre précis lorsqu'on les met à l'intérieur. Donc, notre système est mis sur stop. Génial. Ce qu'il va activer, c'est un autre compteur qui, lui, va compter, à l'aide de sa mémoire, combien d'objets il doit donner. Donc, il va donner les objets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Et comme il va être en train de se resetter, il va envoyer une pulsation à notre système rouge qui veut dire « Ok, je suis encore en train de me reset, donc ne te débarre pas. » Notre circuit vert pendant ce temps-là va lui-même se reset et donc va envoyer une pulsation de redstone à notre circuit rouge pour dire « Ne te reset pas, je suis moi-même en train de se reset. » Donc ce qui va arriver, c'est que dépendamment d'à quel point votre nombre d'objets à échanger est gros, à un moment donné, ce circuit-là va savoir reset, et ce circuit-là va savoir reset, parce que je vous rappelle que moi, ça fonctionne avec le temps, donc ça prend toujours un petit peu plus de temps, ce reset. Et instantanément, notre circuit rouge, comme il ne reçoit plus d'énergie d'aucun de ces trois systèmes-là, va se désactiver, et donc notre système va être prêt à refaire un échange. Tout ça dans un petit circuit comme ça. C'est pour ça que c'est super compact. Comme vous avez vu, la vidéo est déjà beaucoup avancée dans le temps. Donc ce que je vais vous faire, c'est vous lancer un défi. Premièrement, je vous assure, je vais bientôt sortir une vidéo de l'explication absolument complète sur comment fabriquer cet engin pour que vous puissiez l'avoir dans votre serveur multijoueur. Mais je vous lance le défi d'en faire une, vous aussi. Donc si vous voulez reprendre mon concept ou en inventer un nouveau, le compacter encore plus, lui ajouter des fonctionnalités, eh bien allez-y, ça va me faire plaisir. Puis si vous voulez m'envoyer votre design par MP, bien sûr, je vais faire la vidéo comme... avant mercredi, donc si vous voulez me l'envoyer puis vous faites un design cool, ben ça se peut que je le montre dans ma vidéo. Sur ce petit projet, parce que moi j'aimerais ça vous communiquer le plaisir que j'ai eu à travailler là-dessus. Sur ce, c'était Zephyr pour la chaîne Minecraft Zephyr. J'espère que vous avez apprécié l'invention parce que, voilà, il y a beaucoup de temps dessus. J'en suis très content et j'ai hâte de voir ce que vous allez faire vous. Faites attention à vous. Peace and redstone.